Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vends mon boat, mon bateau, voyez, barre magnifique, hein, ça, à tribord à bâbord. Alors attention, c'est du neuf, hein. Légèrement d'occasion, petite cabine, enfermée avec frigidaire, vous pouvez voir. Donc le moteur est interdit, hein. Tout se fait à la voile, hein. Une voile pratiquement neuve, je ne sais pas si on peut voir, on raccorde ça, un bout de tissu, puis c'est bon, hein. Ficelle, ça tient, c'est du solide. Il est pas beau mon boat? Alors voilà, bah alors le prix, on va commencer à 1 000 $. Alors n'hésitez pas, hein, ceux qui veulent l'acheter. Hein. C'est parti, hein. Coup de marche arrière, c'est parti. Hein. Il y a plusieurs chevaux. Hein. Alors n'hésitez pas, hein. Regardez-moi cette barre magnifique, toute neuve. Il y a juste un petit coup de ponçage. Hein. Et puis voilà. Alors c'est l'idéal pour les amoureux. Hein. Hein, croisière en amoureux, alors, vous mettez votre femme à l'avant. Hein. À la proue et la poupe. Vous la mettez devant, vous faites Titanic. Vous la poussez, vous êtes tout seul. Alors, un maximum 200 kg, donc deux personnes à bord. Hein. Choisissez une femme, si possible, de moins de 100 kg. Et puis voilà, discothèque, tout ce qu'il faut. Allez, 1 000 €. Hein. Magnifique bateau. Allez, moi derrière, on a cultivé quelques herbes avant de partir. Faire le tour du monde. Et surtout, écoper au maximum. Hein. Parce que dès que tu es en pleine mer, on va lancer de la flotte. Hein. Gros bisous à tous les marins. Qui sa famille hein. Toujours à 1 000 $, c'est parti. Petite différence entre un boucher et un marin. Bah, le marin, il voit les côtes avant de voir le port. Contrairement au boucher, il va voir le port avant de voir les côtes. De toute façon, dans chaque port, il faut une femme. Sinon, c'est pas un port. Ça, c'est Jean-Guy qui m'a dit. Et ça, ça va à plusieurs nœuds. Attention, il y a eu des nœuds là-dessus. Il y a deux chats. Allez, gros bisous, je vous laisse. Toujours, et vive la marine. Bâbord, tribord, c'est parti.